Elle avait 2 ans, même 1 an même, elle ne parlait pas. Elle s'appelle Sarah Meledj. Et puis effectivement, il y a une amie qui s'appelle Madame Sebou, qui était choriste aussi dans... qui était dans un groupe musical chez papa. Elle s'appelle Madame Sebou. C'est elle qui m'a conduit là. Et puis bon, quand j'ai amené ma fille, papa m'a dit qu'elle va parler. Mais là, quand tu parles, elle te regarde avec les yeux. Elle a fait petite session 2 fois, elle a fait grande session 2 fois, elle a fait CP1 2 fois, elle a fait CP2. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, elle parle, elle me met votre tableau, elle écrit dictée, elle fait des calculs, des opérations. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je ne savais pas qu'elle allait parler. Donc quand tout le monde vient chez moi, le témoin, je dis, ah vraiment, il y a un papa là que je connais à Port-Loué, vraiment, c'est lui qui a sauvé ma fille, papa Florian. Donc tout le monde qui a ses problèmes, elle a bu autant de fois de lait. Ah bon? Oui, elle a bu, elle allait même à la prière, l'autre côté, autant de fois. Oui, elle a mis autant de fois. On quittait en gré même pour ça. Souvent, on n'a pas de... Non. J'ai dit que Dieu va faire, ma fille va parler. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. Sarah. Tu as quel âge? J'ai 8 ans. Tu as 8 ans. Qui t'a conduit ici? Qui t'a envoyé ici? C'est ta maman. Elle t'a dit quoi? Pourquoi tu viens ici? Il faut finir vite. Mm-hmm. Fais quoi? Vite, fais ça fini. Ça fini, tu as commencé à parler. Et tu parles. Bien. Il faut te dire bonjour. Bonjour, Toto. Tu dis quoi? Jésus a fait quoi pour toi? Tu lui dis quoi? Merci, Jésus. Ok, elle est quoi pour toi? Celle-là, c'est qui? Jemima. Jemima. C'est ta petite soeur. C'est ta petite soeur? Mm-hmm. Ok. Quand elle est née, elle ne parlait pas encore? Oui, elle ne parlait pas encore. Mm-hmm. C'est quand on l'a menée ici, que celle-là sortait les mots qu'elle a commencé à répéter aussi. Mm-hmm. Donc les deux sont aussi plus deux. Et les deux passent maintenant aussi. Mm-hmm. Comment tu t'appelles? Jemima. Jemima. Enlève ton doigt dans ta bouche. Elle est quoi pour toi? Sarah. Sarah. C'est ta grande soeur? Oui, papa. Elle ne parlait pas? Oui, papa. Allez, papa. Elle ne parlait pas? Oui, papa. Et aujourd'hui? Elle parle. Elle parle maintenant. Il faut la saluer. Dis bonjour, Sarah. Bonjour, Sarah. Bonjour, Sarah. Ça a été mis. Amen.